Et bien salut à tous et bienvenue sur Reaper 2. Est-ce que c'est la suite de Reaper 1? Peut-être, je ne sais pas ce que c'est Reaper 1. Est-ce que ça a existé? Je ne sais pas. Donc c'est un jeu Bleach, hein, si vous n'aviez pas deviné de la part du petit Menos qui est juste à côté de moi, qui est un joueur, et de la part de mon épée tout ça. Donc, commençons notre aventure. Je vois que tu es nouveau par ici, va voir Gérard. Il s'appelle Geralt. Non, il s'appelle Gérard. Va voir Gérard, bah, il est où? Attends, quoi? Ah non, j'ai dit bye, ok, my bad. Speak to Geralt, ok. J'ai dit Geralt, c'est pas... je suis en train de confondre entre Gérard, Geralt et tout. Non, mais il peut pas genre avoir un nom normal, en fait, au lieu de nous emmerder. Alors, niveau 1 à 5. Oula, est-ce que tu peux jouer des holos pour moi? Oui, bien sûr, mais je te fais ça quand tu veux. Je vais casser la gueule. Ok, il y a un gars bizarre derrière nous, faites pas attention à ça. Alors, essayons ça, voyons voir. Bré, je suis pas le plus grand fan de Bleach au monde. J'ai pas vu beaucoup l'anime, je vais pas vous le cacher. J'ai vu que jusque à... Je suis beau aussi. J'ai vu que jusqu'à la Soul Society. Et après, j'étais en mode, ouais, c'est pas mon truc. Ouais, j'en ai un peu marre. J'aime bien le concept à la base, en fait, de on tue des monstres et tout, mais en fait... Pas plus que ça le reste. Après j'ai pas, c'est peut-être aussi parce que l'animé, bah, c'est un animé, tu vois, genre les animés des fois ils sont très très longs. Peut-être que le manga serait mieux, j'avais lu aussi un petit peu le manga. Où est passé mon mini? C'est quoi ça? Qu'est-ce que... Sûrement juste un bug, ok, alors voilà lui. Il y a un mec qui me suit, je suis quasiment sûr que c'est un abonné. Si vous êtes un abonné, que vous me croisez sur Roblox, vous me suivez pas. Ne me suivez pas tout le temps, c'est très désagréable. Ça fait peur, je sais pas si quelqu'un veut me PVP, je sais pas si... Alors c'est moi. C'est un peu relou des fois. Quand j'ai besoin de farmer, surtout de présenter un jeu et que t'as des abonnés qui veulent me parler, je suis en mode, mais frérot, je suis occupé, je peux pas répondre. Hop. Du coup, donc, c'est bon, tu devrais aller parler à Light the Protagonist. Probablement un dev qui s'est intégré dans son propre jeu, je suppose. Allons voir ça, donc je suis niveau 3, je vais pouvoir mettre des skills. Faire pas mal de trucs. Nous verrons ça. Allons-y. Alors, Light the Protagonist. Bonjour. Blablabla. Tue des holos avec des ailes. Ok. D'accord, on peut faire ça. Avant ça, vu que je suis niveau 3, j'ai bien envie d'essayer de checker mes compétences. J'ai déjà un petit peu regardé. Bah, pour une fois, j'ai joué un tout petit peu au jeu avant de continuer. Donc ça c'est mes skills de Shinigami. Donc là, hop, voilà, c'est débloqué, c'était gratuit, donc autant le débloquer. Désormais, je peux prendre du Reiatsu pour avoir plus de régène de Reiatsu, je sais même pas comment on s'en sert. Plus d'HP, ou prendre moins de dégâts. Donc ça c'est du tank. C'est uniquement du tank, Kido Mastery. Kido Spells, blablabla, Reiatsu régène. Ça c'est une grosse attaque de Reiatsu, d'accord. Blablabla, grosse wave de Reiatsu. Il me semble que Reiatsu c'est genre le ki, comme dans DBZ, en grosso modo. Il me semble. Je crois que c'était genre l'énergie, je sais plus trop. En vrai, faudrait que je lise les bitch, ça va plus vite de lire hein, déjà. Alors, Sword, pareil, on va prendre truc de base, nickel. Ensuite, plus de dégâts de Sword. Alors, Sword ça m'intéresse parce que j'ai vu que le dernier skill me permet de lancer des skills de kendo sans épée. Et je sais, c'est con, mais je trouve ça drôle. Donc, j'ai bien envie de tester ça. Je vais prendre un point. Paf. Let's go. Augmente. Oh! Augmente les combos en slashant 3 fois. Ça, c'est plutôt intéressant. Je vais pas vous le cacher. Moi, ça me fait kiffer. J'ai bien envie d'essayer ça. Allez, on prend. Allez, c'est bon. Équipe new skill in inventory. Dans l'inventaire, bizarre. Triple strike. Assign. 1. Ok, je viens de me faire bolosser. J'étais en train de... Ok, c'est bon. Nickel, on y retourne. Allez, est-ce que j'ai la quête? Non, j'ai encore pas pris la quête. Comment... Ok, oui. Okay. En fait, ce qui est bizarre, c'est que je pense que sur la plupart des jeux, le bouton accepter est à gauche. Et du coup... Pourquoi je suis bloqué? Que se passe-t-il? Et du coup, j'étais un peu paumé. Et arrête! Arrêtez, je ne vois plus rien! Ok, alors, c'est parti. Oh, what? Oh shit! Je pensais que c'était un passif. En fait, c'est un vrai skill. C'est un peu relou d'être dans la forêt. Ils n'arrêtent pas de se faire balancer. Ok, nickel. Un de mort. Et du coup, apparemment aussi, pouvoir jouer holo, c'est random. J'ai vu ça.
visiblement, quand tu rejoins le jeu la première fois, t'es soit Shinigami, soit Holo, et peut-être qu'il y a autre chose, peut-être même qu'on peut avoir, je sais pas, comment il s'appelle, les gars avec le gars avec l'arc, c'est un Qui quelque chose. Il faut que ça me revienne. J'ai pas vu Bleach depuis très longtemps. C'est un... Merde, qu'est-ce que... C'est quoi le nom? Je l'ai sur le bout de la langue. C'est un... Ça se trouve, je suis en train de me tromper. C'est pas du tout un Qui quelque chose. Comment ça s'appelle? Comment ça s'appelle? Je vais ouvrir Google. Attends, regardez. Et je vous l'avais dit, ça c'est un Holo. Ça, c'est un mec qui joue Holo. Et visiblement, on peut devenir un Menos. On peut devenir un peu plein de trucs. Donc ça a l'air plutôt stylé, je vais pas vous le cacher, retombe-toi. Oh what, je peux faire une grosse attaque avec mon clic droit, d'accord, donc on découvre des choses. Let's go, où est-il? Bonjour. Hop 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 hop. Ok c'est cool, le combat a l'air vraiment sympa. Le combat a l'air plutôt clean, je ne vais pas vous le cacher. Et en vrai c'est cool que j'ai vu le début de Bleach parce que du coup je comprends à peu près ce que je fais. Seul truc que je comprendrais pas c'est probablement les bails avec les méchants parce que bah moi je sais qu'il y a un Holo, je sais qu'il y a un... Est-ce que c'est du spoil? Tous les jeux vidéo du monde ont spoilé qui était entre guillemets le méchant principal du début de Bleach. Et est-ce que c'est du... Non c'est... De toute façon vous regardez une vidéo Bleach, donc vous savez probablement. Mais je sais qu'il y a un bail avec un mec. Mais en dehors de ça, eh bien, je ne sais pas grand-chose. Je crois qu'il y a des gars qui sont genre, de ce que je suppose, des Holo améliorés. Je sais pas, ça y ressemble. Je sais qu'Ichigo peut avoir un masque de Holo plus tard, donc je suppose qu'il y a un bail avec les Holo. Comment? Je ne sais pas. Je ne sais pas trop. Mais c'est là où je serais un peu perdu. Je suppose que c'est un bail comme ça, où genre un Holo ultra fort peut devenir... entre guillemets humain, je suppose qu'il y a un bail comme ça. Ce qui expliquerait pourquoi il y a une race de Holo en fait, à mon avis ils pourront évoluer en ça au-dessus d'un Menos Grande. Je pense, je suppose, peut-être ou peut-être pas. À part ça, j'ai un point, un seul point, donc je pourrais prendre. Non, ça c'est pas intéressant. Fist, pourquoi je voudrais augmenter mes fists à coup d'heure. On peut mettre des... Quoi? J'ai en train de découvrir, on peut mettre des punch. Et bah c'est trop tard maintenant parce que j'ai déjà mis mes points. Ah le somme. Ça aurait pu être stylé. Ça aurait pu être plutôt stylé. Et bah tant pis. Ensuite, Sode no Shirai. Qu'est-ce que c'est que ça? Defrost. Freezing Enemy, blablabla. Prance. Simustance. Shikai Mastery. Wait a minute. Je crois que je suis en train de comprendre. Oh! Je crois que j'ai compris. Je viens de comprendre. Je crois que ça c'est mon Bankai, je crois que ça s'appelle. Le truc où mon épée elle change de forme. Et je crois que du coup je suis le mec de la glace. Je sais pas qui c'est. Je sais juste qu'il y a un mec qui fait de la glace. Il a l'air plutôt cool. Enfin je sais pas, j'ai jamais vu jusqu'ici. Mais il a l'air pas deg. Je suis quasiment sûr que c'est mon Bankai. Quasiment. Ça me semblerait logique. Alors, ensuite Speed, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Speed Foundation, ça coûte 1 point et je gagne rien. Après on peut avoir Flash Step, Speed Mastery. Speed j'en prendrais probablement, hein. Plutôt pratique pour courir plus vite. En dehors de ça, je suis en train de me faire bolosser, faites pas attention. En dehors de ça, je sais pas. Je vais commencer par prendre Soul Note 0. Ah, je vais commencer par rien prendre en fait. C'est un autre, c'est pas des skill points pour avoir les Bankai, d'accord. Et bah Speed, ce sera Speed, Cut ou Flash Step. Ça peut être intéressant, Flash Step. Pour escape les combos. Donc c'est genre dodge, ça peut être probablement très très cool, surtout pour esquiver les combos. Ça a l'air d'être la base, parce que ça augmente mon maximum de flash step. Flash step est plus rapide, flash step est plus rapide, bla bla bla. C'est que... Sekiro. Sekiro. C'est un jeu vidéo. ok, donc oui. C'est le bail de la speed, ça. Très bien, j'ai compris. Et là j'ai rien gagné, je suppose, vu que j'ai à peine pris un point. J'ai pas l'impression d'être plus rapide que ça. Hein. Ouais, ok, c'est pas grave. Commençons. Let's go. C'est qui ça? Qu'est-ce que... Bon, je pense que c'est du hack. J'étais en train d'hésiter. Je me disais, est-ce que le mec est en train de hacker? Il a l'air quand même sacrément... Je me disais, peut-être que c'est une technique de pouvoir voler. Mais non, 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 c'est un hacker. Les gars qui hackent sur Roblox. Ça, c'est comment avoir l'air d'un bolos en 3 secondes. C'est genre, vous voyez le même avec les deux Shiba, genre le Shiba Ultra Stock et...
et le Shiba ultra faible, et bah ce mec là c'est le Shiba ultra faible. Oh, je hack sur Roblox. Oh, j'ai téléchargé Cheat Engine et j'ai hacké Roblox. Comment on va là d'un bolos en une étape? Ça va vite, hein. Ça va très 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 vite. Désolé à tous les gens qui hackent Roblox, mais les mecs, genre de tous les jeux que vous pourriez hacker, vous décidez de hacker Roblox. Genre vraiment. C'est... Bon. Surtout, ce qui me flingue, j'avais déjà dit dans une vidéo, on avait déjà croisé un hacker en début de jeu, mais justement, à quel moment est-ce que tu t'amuses, étant donné que... étant donné que tu ne joues pas au jeu, en fait. Genre, le mec a lancé le jeu. Et il s'est dit, ok, donc je pourrais essayer de jouer, de m'amuser, mais non, je vais AFK en lançant mon cheat, et je me casse. En fait, le mec il est con, mais il ne joue pas là. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est stupide. Le mec rejoint un jeu et il n'y joue pas. On en est là. Nous en sommes là. Et du coup, ça part sur un report, effectivement. En plus, il est même pas discret. Genre, fais-le sur un serveur privé, frérot. Sois intelligent si tu cheats. J'ai déjà eu un abonné qui a cheaté sur Shindo pour m'aider à XP. On l'a fait sur un serveur privé. Parce que tu vas te faire report en fait. Il est con. Je suis mort, il fallait bien que ça arrive. Ah ouais, je recommence de parler là-dessus, mais ça me flingue. Le mec se co au jeu. Oula. Le mec se co au jeu. Il ne joue pas. Il est AFK. Il cheat. Et en plus de ça, bah déjà il s'amuse pas et il va se faire ban juste après. Il est en train de perdre du temps. Je sais pas ce qu'il fait. Ce mec a 3 de QI. Regardez-le. Ah, c'est, je m'amuse super bien. Mec, si ça se trouve, il est en train genre de manger un petit bêta là en plein milieu. Et il ne joue pas. Il ne joue absolument pas. Je ne comprends pas son délire. Bref, passons, continuons de jouer. En vrai, faut vraiment que j'apprenne plus de skills. Hein, parce que bon, avoir flash step et tout, ça doit être probablement sympa pour genre PVP. Mais en dehors de ça... Oh, il m'emmerde, il me prend tous mes kills, ça va être lent, ça va être mou du cul si jamais à chaque fois on doit esquiver ce mec. Vous pouvez passer le... Ah oui, il est là. Aïe. Enfin, peut-être que je me défende. Hop, désolé, je sais pas qui... Alpha machin, désolé. Alpha bidule, je pense que c'est une forme supérieure de holo ça. J'en ai jamais vu des comme ça dans Bleach. J'en ai jamais vu, mais je suppose que c'est la forme légèrement au-dessus. Hein. Ça a l'air plutôt fumé. Je vous le cache pas. Es-tu le vrai? Non. Attendez, comment j'écris? Merde. Je sais plus écrire. Non. C'est pas moi. Je suis juste un fan. Vous savez qu'ils vont me croire en plus. C'est ça le plus drôle. En vrai, genre, à chaque fois que quelqu'un va dire ça, c'est toujours moi. Non, c'est le vrai. Non, c'est pas moi. Bien sûr que non, c'est pas moi. Ah là là. Bref, à part ça, est-ce que je peux prendre Flash Step? Let's go. C'est un fan. Mec, après, il y a des gens des fois qui me croient. Qui me croient quand je dis ça, mais ils jouent le jeu. Mais le vrai sur un autre serveur. Oh, regardez, Shirogane. Lui, il a tout compris. C'est le mec qui me suit depuis tout à l'heure. Mais il a malgré tout compris. En plus, en vrai, ça va pas. Il m'a donné quelques petits conseils, j'ai vu. Ça, c'est le genre d'abonnés que je kiffe. Qui vont juste me donner quelques petits conseils et tout. Ils me laissent filmer ou ils me laissent découvrir le jeu un petit peu quand même. Ça, c'est sympa. Mais j'aime pas trop quand on va me dire non, là, tu es en train d'XP super mal. En fait, change d'endroit. Ouais, non, mais là, en fait, viens avec moi, suis-moi. Ah, au fait, bonjour. Est-ce que tu peux me parler? Est-ce que tu peux faire une dédicace? Enfin, frérot, je suis occupé, tu sais. Après les screens, je suis ok, mais pas en vidéo du coup. Mais après, quand j'arrête les vidéos, il n'y a pas de problème. Alors, j'ai rien fait ce qui vient de me baragouiner. Au revoir. J'aurais peut-être dû checker le mec qui m'aurait dit où je devais aller. J'ai complètement oublié. Ça, j'ai trop cru que c'était lui. J'arrive pas à savoir s'ils sont sérieux. J'arrive pas à savoir. Mais en vrai, en vidéo, j'aime pas trop répondre parce que après, je me dis. Que je vais passer ma vie à répondre. J'ai déjà fait ça dans les... J'avais pas vu ça. J'ai déjà fait ça dans les vrais... Dans les vieilles vidéos Roblox que je faisais, je répondais aux abonnés et en fait je terminais à faire que ça. En plus j'écrivais en même temps, du coup j'étais pas concentré sur le commentaire, je disais n'importe quoi.
Genre j'étais là en mode ouais, je pense que prochaine quête on va oui, prochaine quête. Oui, on va aller là-bas. Où je sais plus. Tu vois, c'était ça le commentaire. C'était plutôt pas génial, quoi. Autant le dire, on était sur un niveau exceptionnel hein, de commentaire. C'était de la qualité, mon frère. Ça, tu n'étais pas oublié. Pourquoi il est en fou, ce mec? Pourquoi? Qu'est-ce que tu fous en fou? D'accord. C'était sympa. Le mec maîtrise le pouvoir du briquet, attention. Le mec a un briquet et un déo dans sa poche. Et il s'en sert sur moi. C'est impressionnant. Imagine l'ennemi, c'est limite. Je maîtrise le pouvoir du feu. Il sort un briquet, il sort un déo. Et voilà. Mais désolé, j'ai pas de vrai pouvoir en fait. Je fais un peu pitié. Par contre, il tanque. Ça, c'est sûr. Ça, il tanque. Je vais me faire bolosser. Et la lave me fait mal aussi, c'est pas... Oh non, 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 non. C'est pas pratique, pourquoi je lui fonce dessus? Il se passe pas grand chose dans mon cerveau. Voilà, exactement, il fallait que ça arrive. Il fallait que ça arrive. Bien sûr, c'était inévitable. Est-ce qu'il a récupéré ses PV? Non, absolument pas. Intéressant. Intéressant. Hop, 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 et en plus on dirait que le hacker n'a pas envie d'aller là. Donc ce qui veut dire que déjà, premièrement, qu'il est vraiment qu'au tout début du jeu. Mais qu'en plus de ça, je suis tranquille, donc cool, continuons. Pourquoi il y a un bloc là? Pourquoi il y a un Lego qui s'est tapé l'incruste dans mon jeu? Je savais pas qu'on était en train de jouer à Lego Indiana Jones. Ça, on apprend des choses. Lego Indiana Jones et le sabre du Shinigami. Ça n'existe pas, bien sûr. Aïe, aïe, aïe. Les jeux Lego qui étaient vraiment cool. J'ai justement sur PS3, là, sur... Enfin, derrière moi, là, vous ne voyez pas vu qu'il n'y a pas la facecam, mais derrière moi, sur mon étagère, j'ai Lego Star Wars édition complète, j'ai Lego Indiana Jones, je crois que j'ai Lego Harry Potter aussi, j'ai Lego... Le film, le jeu. Qu'est-ce que. J'ai Lego le Seigneur des Anneaux. Et je crois que j'ai Lego le Hobbit. Pas sûr. Il est peut-être chez mes parents. Mais j'ai pas mal de jeux Lego. Ça fait plaisir. Je suis en train de regarder. J'en ai plus. Je crois que j'ai même Lego Batman. Auquel je. Non, pas Lego Batman. Celui-là, je l'avais sur Wii. J'ai Lego. Si, c'est Lego Batman 2, je crois. J'ai jamais joué à celui-là. C'était celui. Généralement, les jeux Lego, c'est ma mère qui y jouait. Et Lego Batman 2, je me souviens juste que je l'avais aidé pour faire des courses de voiture, je crois, parce qu'elle a du mal quand le jeu bouge trop en 3D, elle a envie de vomir, parce que sûrement problème d'oreille interne. Du coup, je devais le faire pour elle, parce qu'elle avait trop envie de dégueuler sinon. Et en vrai, elle s'en est sortie. Je crois que j'en ai fait genre une ou deux, le reste, elle l'a fait toute seule. Comme quoi, c'est Lego... Tu me souviens, c'était Lego Avengers... je crois que c'était Lego Avengers... Il y en avait un comme ça, où t'avais des courses, genre tu jouais Iron Man, tu devais tracer en volant à travers New York pour faire des courses. Et ça, particulièrement, ça, c'était pas possible pour elle. Donc ça, je le faisais. Et en vrai, ça me faisait kiffer. Moi, j'étais jamais allé assez loin dans le jeu pour débloquer toutes les courses, etc., pour chasser toutes les petites briques dorées à avoir. Ma mère, oui. Et vu qu'elle les faisait généralement à 100%, et ben, ça me permettait de faire les courses les plus dures. Ça me faisait kiffer. Il va me recracher dessus, il va me cracher dessus. Littéralement, il me crache dessus, hein. Il n'y a pas d'autre façon de le dire. Hop, 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 hop. Il va me cracher dessus. J'ai vu venir. Oh, satisfaisant, j'aime beaucoup le blocage. Le petit bruit, le petit effet, la petite particule, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Refrappe-moi, j'adore ça. Ah, dommage, encore. Non, pas comme ça. Non, il m'a combo. Il va me souffler dessus, regardez. Hop. J'aime bien. Le petit rond là qui apparaît en mode whoosh, c'est cool. Hop, hop, hop. Non mais en vrai, les animations sont vraiment cool. Je pense que c'est un des trucs qui me plaît le plus dans le jeu. Le gameplay est pas mal, mais vraiment, c'est les animes. Moi, franchement, pour qu'un jeu me plaise, c'est pas compliqué. Si les animations sont stylées et qu'on se sent badass, même si le jeu, bah, comme celui-là, c'est juste du farm où tu tues des mobs, je vais quand même me faire kiffer à faire des combos de dingue... À essayer de faire des builds complètement craqués. J'aime bien aussi les jeux que tu peux éclater. Genre littéralement, j'adore les jeux où au début l'équilibrage est bien, mais qu'à la fin du jeu tu peux littéralement faire un build OP et casser le jeu. J'adore ça. C'est trop satisfaisant en fait. Quand t'as tellement un truc craqué. Mais après en général les jeux Roblox sont toujours un peu PVP. Donc bah évidemment il faut que le jeu soit un minimum équilibré. Et ça c'est... Ça, je. Bon, bah, c'est un type de jeu, quoi. Mais moi, j'aime bien pouvoir tout casser. Et puis, bon, bah, vu que c'est PVP, tu peux pas. Et ça, c'est.
C'est dommage, je préfère pouvoir avoir un truc full PvE, mais full éclaté, ça me fait plaisir. Toujours pas de Soul Node, je sais pas comment j'obtiens ça. On va prendre un point dans l'épée, je pense, pour faire plus de dégâts. Hop là, parfait. Et après on aura Blender, Blender qui est aussi un logiciel pour faire de la 3D, voilà, très important. Et ce qui veut aussi dire mixeur. Alors mixeur, je tourne. C'est, d'accord, c'est le tourbilol, let's go, c'est Garen. Super, ça fait des références à 40 000 jeux aujourd'hui, j'espère que vous suivez. J'espère que vous avez suivi les références au Lego, les références à League of Legends. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre comme référence au briquet. Fun fact, j'y pense que j'ai jamais terminé cette histoire. Pourquoi est-ce que je sors? Je suis Keblo. Fun fact, par rapport au briquet et au déo, tout le monde sait qu'on peut faire ça. Ne le faites pas à la maison, bien sûr. Ne le faites absolument pas chez vous, c'est extrêmement dangereux. C'est une très mauvaise idée. Je viens de remarquer que j'aurais peut-être dû le dire avant. Ne le faites pas. Ne faites pas ça. Arrêtez tout de suite. Reposez-moi ce briquet, reposez-moi ce déo. Vous allez vous faire très mal. Le feu, ça brûle. Et mourir de brûlure, c'est la pire mort. Du moins, c'est ce que les gens disent. Donc, évitez. Voilà. Ne faites pas ça. Je suis vraiment bloqué par contre. Bref, maintenant que les trois débiles qui ont voulu essayer ont été découragés, je le redis. Ne soyez pas con. Où est-ce que je suis? Du coup, quand j'étais au collège, il y a un pote qui avait ramené un briquet et bah, du déo, évidemment, parce qu'on était en sport, donc on avait tous du déo. Et qui s'était amusé dans le vestiaire à faire le lance-flamme, quoi. C'était très drôle à voir. C'était pas rassurant quand même, mais c'était très drôle à voir. Et mais, ne faites pas ça chez vous, c'était voilà, anecdote. C'était le zbeul dans le vestiaire du collège, c'était n'importe quoi. C'était un autre monde au collège. Déjà, j'avais vu un mème, et genre, c'est totalement ça. Au collège, les gens vont être là en mode ah, Pokémon, c'est pour les gosses et tout. Alors que tu sais, en primaire, tout le monde est en mode ah, Pokémon, c'est cool. T'arrives au collège, Pokémon, c'est pour les bébés. Et t'arrives au lycée, oh, Pokémon, c'est cool. C'est juste le collège en fait qui est bloqué. Genre on en a un point où dire que Pokémon c'est pour les gosses, en fait c'est être un gosse. C'est avoir une mentalité de gamin. C'est littéralement vrai. Genre vraiment vous verrez ça. Après ça dépend sûrement des lycées. Et ça dépend aussi des fois des gens du lycée. Mais en général, au lycée les gens s'en tapent. Genre vraiment les gens sont là en mode ouais Pokémon c'est cool. Franchement moi je jouais à Platine, à Noir et Blanc quand j'étais petit, je me faisais kiffer et tout. Et il est mort. Ah bah alors voilà, ok. Et donc littéralement, après, même si dans votre lycée, je parle, imaginons, vous avez peut-être un lycée un peu relou, on sait jamais. Mais dans tous les cas, une fois que vous arrivez en études supérieures, donc université, IUT, tout ce que vous voulez. Alors là, je peux vous dire que les gens ne vous feront jamais chier pour Pokémon. Genre ça ne m'est jamais arrivé, genre vraiment. On a une pote qui est arrivée l'un des premiers jours dans notre école. Après, on a une école un peu débile, mais elle est arrivée dans les premiers jours avec un espèce de suite un peu Kigurumi Noctali. Et la vie de ma mère, personne n'a rien. Tout le monde était là en mode hey, stylé, c'est plutôt cool. Il est passé où le mob que je suis en train de faire? Je crois qu'il est passé là. What? Stop! Je frappe dans le vide. Il va me goumer. Goumer! C'est allé vite. Ok, bref, voilà, mais tout ça pour dire que, voilà, si vous êtes au collège, que vous kiffez Pokémon, genre de dingue, mais que les gens vous disent, Pokémon c'est pour les enfants, dites-vous que ça va pas durer. Dites-vous que dès le lycée, vous pourrez kiffer Pokémon en paix. Et ça c'est le plaisir. Puis en vrai, dès le lycée, bon, les gens sont moins chiants. Franchement, il y a un peu la nostalgie, tu vois, entre guillemets, genre le collège pour moi c'était il y a longtemps, donc ça, dans ma tête, ça a l'air mieux que ça l'était réellement. Mais je m'étais dit, en quittant le collège, il faut absolument pas que je me fasse avoir par la nostalgie. Parce que je l'ai mal vécu, quoi. C'était horrible. Les profs étaient infâmes, les pions étaient infâmes, les gens étaient infâmes. C'était horrible. C'était pas horrible. Moi, personnellement, j'ai jamais eu de problème au collège. Mais c'était une sale ambiance hein, par rapport au lycée. Une fois que t'arrives au lycée, putain, c'est le jour et la nuit. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Ah, il est là! Bah, t'en revoilà, tiens! Qu'est-ce que tu fais? Descends là tout de suite! Descends d'ici! Il est où? Mais qu'est-ce que... Reviens là! Sale petit con!
Bra bra bra. Non, il faut pas que je touche l'autre. Non, 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 non. Hop, 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 hop. Désolé, attention, excusez-moi, je ne veux pas vous taper. Hop, non. Ah, bloc. Ah, pourquoi moi j'ai pas de chikai? Allez, allez, non. Je suis mort. Faut que je trouve. Attendez, faut que je tue 3. 3 quoi? 3 corrupted Kido Corpse et 4 corrupted Brut. Mon silence en dit long. Ah, en fait, je me trompais de mob depuis tout à l'heure. J'étais juste trop hypé à l'idée de les taper, du coup, j'ai tapé les mauvais mobs. Faites pas attention, c'est pas grave. En même temps, pourquoi la quête, je la grabe là-bas et elle m'emmène là-bas? Attendez. La quête était verte aussi, je crois. Et lui? Alors là, je suis perdu. Pourquoi y a... Attendez, quoi? Pourquoi il y a Gold Roger? Pourquoi il y a Messire Goldie Roger dans Bleach? What? Genre, comment? Le mec va juste one-shot absolument tout. Il n'y a pas besoin de mon aide, il va tuer tout le monde. Il est trop fort en fait. Niveau 5-10. En plus, je vais prendre ma quête. Je devrais aller parler à Windad Bread. Faut que je retourne lui parler à lui. D'accord, j'abandonne cette quête. J'ai compris. J'ai capté. Très bien. C'est pas grave. Je suppose que c'était une quête répétitive, celle que j'ai pris là-bas qui était en vert. Ça me semble logique en tout cas. Donc retournons là-bas. C'est parti. C'est sûr que ce serait plus simple d'avoir plus de flash step. Rien que pour se déplacer. En vrai, c'est cool. J'aime bien. J'aime bien cette technique. Je sais même plus si elle existe dans Bleach. Je crois qu'elle existe dans Bleach. Enfin oui, bien sûr, on est sur un jeu Bleach. Encore heureux qu'elle existe. Mais je sais plus si je l'avais vu, je veux dire. Il me semble que oui. Ça me dit quelque chose. Peut-être pas, mais ça me dit quelque chose. Alors, attends, mais tu n'es pas... Ce n'est pas toi à qui je dois parler. À qui je dois parler? Qui est-ce que... Ce serait dans la grotte? Parce qu'en vrai, ça me semble bizarre qu'ils me disent d'aller dans la grotte et qu'il n'y ait rien. Alerte! Trois arrancards mystérieux ont invité... ils font la merde, quoi. C'est ça, c'est les arrancards que je ne sais pas ce que c'est exactement. Et c'est les queens... Les queens... Mais c'est quoi les gars avec les arcs? Ça m'est toujours pas revenu. Les Quincy? Quincy? Je crois... Je suis quasiment sûr que c'est ça. Quincy. Je crois que c'est ça. Oh, c'est ça, let's go! Let's go, je me souviens! Ok. Bon, à part ça, où est-ce que je suis? Qu'est-ce que je fais? Pourquoi je suis là? Personne ne le sait. Alors là, je veux pas grimper. Je comprends rien! Je suis perdu! Où est le PNJ que je cherche? Il est probablement pas là. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. Je comprends pas. Je comprends pas l'utilité de cette grotte en fait. Après, ça se trouve, il y a un truc que j'ai pas vu. Mais faut dire que j'y vois pas grand chose. Bref, c'est pas grave, je brille. Incroyable. On va se laisser là, je pense. La vidéo est déjà très 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 longue, mais ça prouve que le jeu était cool. Si je fais des vidéos très longues et que je vois pas le temps passer, c'est que je suis en train de me faire kiffer. Donc voilà, jeu sympa. J'ai beau ne pas être très très fan de Bleach, il est très probable que je continue ce manga. Le manga aussi, oui, effectivement. Il est très probable que je continue ce jeu. Et il est très probable aussi que j'essaie de continuer un petit peu Bleach en manga. Comme ça, je m'y connaisserai un peu mieux. Pourquoi pas? C'est l'occasion de reprendre Bleach et de le lire. Mais sur ce, moi je vous dis à plus, à la prochaine. Si ça vous fait kiffer, évidemment, tout bleu et tout pour montrer. Enfin bref, vous connaissez les bails, allez. Zou!